y est, Make It Loud est enfin de retour alors que le Hellfest vient de dévoiler les derniers noms de sa programmation 2016. Et mon dieu, bah, quelle affiche, enfin, tout simplement, regardez-moi cette affiche. Ouais, ouais, il manque une troisième tête d'affiche là. Théo ? Allô ? Théo ? Je suis où là ? Je suis où ? Parce que le Hellfest ce n'est pas qu'une question de tête d'affiche, aujourd'hui Make It Loud va vous faire la présentation de deux groupes qui célébreront leur virginité au Hellfest puisqu'ils ne sont jamais produits auparavant. Virginité ? Tu te sens concerné Théo ? Bah, ça tombe bien que t'en parles, parce que j'ai vu ta mère la dernière fois. Bref, accrochez-vous à votre chaise et détachez-vous bien les cheveux, car voici votre dose de hard rock nécessaire à la réussite de votre Hellfest. Mesdames et messieurs, nous vous offrons Crobot Garanti 100% sans nazi. T'es sérieux ? Des dents propres et blanches après chaque café. Et parce que le Hellfest ce n'est pas qu'une question de brutal death metal ou encore de grindcore progressif, Crobot viendra gentiment nous savater les burnes pour la toute première fois de sa carrière au Hellfest le samedi sur la Vallée, déjà bien rempli en good badass. Hein. Merci Maxime. Crobot est jeune mais assume avec fierté ses influences mythiques comme Queen of the Stone Age ou encore Wolfmother, nous délivrant un hard rock salement groovy avec des riffs catchy qui vous donneront des frissons dès les premières mesures. À coup sûr. Non, Théo, tu as déjà fait cette blague dans l'épisode 5. Crobot s'est formé en 2012 autour du chanteur Brandon Nigley et du guitariste Chris Bishop, et d'un bassiste et d'un batteur bien évidemment, qui ne resteront pas longtemps dans ce line-up étant donné le fait que Nigley et Bishop feront des pieds et des mains pour avoir dans leur rang Jake et Paul Figuera, respectivement à la basse et à la batterie, des artistes pas totalement hors sujet puisque ces derniers feront partie de quelques formations de blues rock avant de rejoindre Crobot. Choix concluant puisqu'ils sortiront ensemble en 2014 Something Supernatural, encensé par la critique et surtout acclamé pour les prestations scéniques du groupe lorsqu'il faisait les premières parties du groupe de stoner mythique Clutch. Évidemment, certains détracteurs pourraient affirmer que Crobot surfe sur une vague rétro années 70 rock catchy qui emporte un nombre conséquent de jeunes groupes à l'heure actuelle, Cadavar ou encore Bluespies en tête de liste, mais ça ne serait pas faire honneur aux deux atouts incontestables que possède ce groupe. Le premier, la puissance et la maîtrise vocale que Brandon Nigley insuffle à ses compositions au sein de la formation Crobot, et dont les performances vocales rappellent celles de Miles Kennedy, chanteur d'Alter Bridge. Capable de tenir la note sans jamais perdre en intensité, Brandon Nigley se targue en plus d'être un joyeux drille, comme possédé virevoltant au gré des riffs assassins, deux morceaux comme Skull of Geronimo ou encore Chupacabra. Chupacabra, Chupacabra. Car c'est ça le second et fort atout de Crobot, c'est la puissance musicale d'un putain de panzer, pas piqué des hannetons. Piqué des hannetons. Qui est l'enculé qui a écrit cette merde, que je le vire. C'est toi, connard. Bien, bon, bah, je me vire moi-même. Crobot est donc un des immanquables cette année au Hellfest, surtout pour ceux qui passent leur temps à se plaindre que le festival ne renouvelle jamais sa programmation. Headshot. Je suis désolé Maxime, je pensais que ça allait être une blague marrante. Excuse-moi. Can't anybody see? Bref, autant dire tout de suite, Crobot s'est pas piqué des hannetons. Bordel de merde! Dirigeons-nous maintenant vers cette bonne vieille temple, là où la distorsion et les doubles grosses caisses sont maîtres mots pour vous présenter MGLA, tout juste annoncé lors de la dernière salle de groupe annoncée par le festival Hellfest. Et c'est une très bonne nouvelle en tout cas pour les fans de black metal à la recherche d'un son qui sort des sentiers battus. Tout
grosse sortie de Cracovie en Pologne, MGLA nous offre un post-black metal qui fait écho à la nouvelle esthétique que rencontre le black metal depuis quelques années et menée en partie par Diff Heaven, acclamé par la critique spécialisée mais également par les critiques généralistes. C'est ainsi que par exemple Diff Heaven qui joue ce genre de musique. Se retrouve au milieu d'un festival comme celui du Pitchfork, coincé entre ça ou encore ça. Récupération journalistique honteuse ou ouverture des esprits sur la musique black metal dans les journaux musicaux. Vatain a décidé de ne pas encore réagir, on attend leur réaction sur Twitter, on vous suit ça de très près, c'était Black Metal News. Il n'empêche que MGLA, qui se prononce d'ailleurs Ngra, Non, c'est plus Guy. Bon, bien sûr, côté texte, MGLA ne réinvente rien, mais prend quand même un malin plaisir à jouer avec les dures réalités que l'on ose admettre à nous-mêmes. Ces derniers, à travers leurs paroles teintées de rage mais aussi de résilience envers une société à l'abandon, les fait clairement passer dans le subtil groupe des pessimistes, voire même des nihilistes. Viendra couper ZZ ! Il n'empêche que MGLA était un groupe que nous souhaitions réellement vous présenter ici à Make It Loud, étant donné le fait que s'il est parfois difficile de s'initier au black metal pour un fan de musique metal lambda, MGLA en fait constitue l'une des meilleures portes d'entrée de qualité et d'efficacité pour commencer dans le black metal si vous avez envie de vous faufiler dans la temple. Il n'empêche que MGLA est un groupe à ne pas rater cette année, car en plus de retrouver votre admiration pour le black metal de Dark Funeral, vous aurez la chance, l'honneur d'aller sur la temple pour voir le futur du black metal de demain, la personne de MGLA. MGLA est donc le groupe un peu à côté de cette programmation. À ne rater sous aucun prétexte. Merde. Hey babe, don't act so scared.